rendez-vous dans la cave pour un nouveau bricolage. Bonjour tout le monde, alors étant donné que je me suis rendu compte qu'un support de casque c'était vraiment très utile, surtout pour les casques avec un micro qui ressort, tel le Siberia V2 ou le Razer Kraken comme le mien, et pourquoi pas fabriquer un support le plus esthétique possible. Et donc nous allons voir, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué le mien. Du coup, pour cette réalisation, vous aurez besoin d'un bout de bois un peu long comme ça, et d'une épaisseur assez correcte. Moi je prends quelque chose d'un contreplaqué, enfin un aggloméré d'environ 1,7 cm. Un bout de bois comme ça, comme ceci, un peu épais, qui fera office de pied, de support. Du coup, vu que ce sera le bâti en quelque sorte, ça, il faut qu'il soit un petit peu lourd. Et vous aurez besoin aussi d'une planche, alors la plus fine possible. Mais après, vous faites ce que vous voulez, parce que je vous donne juste la forme, mais vous pouvez très bien improviser selon vos envies. Personnellement, je fais ces choix-là. Alors on va commencer le tracé et le découpage. Vous prenez votre morceau de bois et vous tracez une forme d'à peu près la taille que vous voulez. Personnellement, j'ai envie d'enlever la partie qui est creuse ici. Du coup, ça va me faire un truc du genre 10 cm sur 16 cm. Voilà. Et vous avez dessiné votre très joli rectangle. Eh bien, on va le découper. Maintenant, vous prenez votre autre morceau de bois. Alors vous pouvez prendre ce que vous voulez, peu importe. C'est juste qu'il faut que la largeur ici soit un peu supérieure à l'épaisseur de l'arceau de votre casque. Et on va le couper à peu près ici. J'ai mesuré pifométriquement pour la hauteur du casque, en fait. Du coup, je fais à peu près ça, ce qui pour moi me donne 20 cm exactement. Décidément, je suis toujours dans les centimètres pile poil. Bon, donc celui-là aussi, on va le découper et on va les assembler. Alors voilà, j'ai découpé mes 4 pièces qu'on va maintenant ressoyer un petit peu, parce que là vraiment faudra leur faire un petit coup de ponçage, parce que c'est assez moche, et éventuellement arrondir un peu les bords pour donner une espèce de, je sais pas, un style. Maintenant, avec un petit marteau de dentiste, vous enfoncez un petit peu les vis, histoire qu'elles rentrent plus facilement. Et on commence à visser. Du coup, pour la base, je lui ai mis des vis parce qu'elle a besoin d'un peu plus de résistance. Mais en ce qui concerne les petites bordures là sur les côtés, ça n'a pas besoin de grande résistance, du coup vous pouvez mettre du pistolet à colle.